Bonjour, aujourd'hui je me trouve à Belleville dans le 20e arrondissement à Paris, un quartier populaire, un quartier qui s'ouvre à l'art contemporain avec 10 nouveaux lieux. Juste derrière moi, une galerie qui expose Gökçe Solikl, cette jeune et jolie stambouliote. Commence à se faire un nom sur le plan international. Elle nous livre des œuvres plutôt narcissiques, mais elle assume. Je pense on voit tout de suite le côté humour, humoristique, parce que c'est pas très sérieux la façon dont je m'aperçois et j'aperçois mon monument. C'est pas très flatteur, hein. Donc c'est un côté assez franche, assez sans pitié, je trouve. Oui, en fait c'est des autres portraits, mais je suis pas j'ai pas envie de peindre que moi. En fait c'est une sorte de façon d'explorer le portrait dans le terme large qui va plus loin du narcissisme. Donc c'est le thématique de portrait qui m'intéresse. Les autoportraits, je suis juste un élément pictural, je suis une unité picturale dans le cadre. Alors si on vous dit que c'est narcissique, vous répondez quoi? En fait, comme j'ai une sorte d'approche assez loin, donc je ne vois pas sur la toile, je deviens vraiment un élément qui fait tout l'ensemble de la peinture. En fait, il y a une question d'identité, une problématique d'identité avec la Turquie. Donc je pense que c'est un pays qui est vraiment entre deux, qui fait le charme aussi de ce pays. Donc en fait, c'est vraiment un pays qui joue avec la notion d'appartenir à un monde occidental ou d'appartenir à un monde plus exotique, oriental. Donc c'est ce dilemme qui fait le côté intrigant de ce pays. Et peut-être moi aussi, en fait, comme les gens ils ont du mal ce qui appartient à la Turquie, ils ne savent pas ce qui se passe. Au niveau physique aussi, au niveau de physionomie, ils ont toujours du mal à me croire que je suis turque, par exemple. Donc du coup, peut-être je pousse cette manque de connaissances et cette problématique d'identité d'Orient et d'Occident à une façon une façon de peinture, une façon de peindre en peinture, et que j'explore mon image moi-même, toujours. Peut-être c'est une façon de dire c'est mon image, je suis d'où je viens, et ce sont mes raisons.